Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Cette fois-ci, on va farmer des pierres et faire des invocations, donc on va essayer de monter le level. Et puis là, pour l'instant, je vais aller peut-être éveiller mes persos. Et j'espère que vous allez bien, moi ça va. Et donc, je tiens à présenter un compte que j'ai, donc Bouvan. Donc sur la française, donc je vous explique pourquoi j'ai ça, j'ai deux françaises. Tout simplement parce que sur mon téléphone j'ai plus de place, du coup j'ai que la Jap, j'ai jamais eu, on va dire, de française bien stable. Du coup j'en ai profité à quelques semaines, enfin une ou deux semaines. Du coup j'avais pu reroll pour avoir Buan. Ah, du coup je l'ai fait et tout, vu que j'ai plus de place, ben, je l'ai mis sur le PC. Et du coup, vu que je peux pas avoir de française, du coup je l'ai mis sur la hack. Du coup la hack, ce que j'ai fait, ben, j'ai juste avec la hack Dokkan mon Buan. Et j'ai spé en rang en spammant la quête. Du coup j'ai pu éveiller mon Buan et c'est tout ce que j'ai fait avec la hack. Donc les spé et tout, je l'ai farmé sans la hack, quoi, normal quoi, tout simplement. Voilà, donc pour l'instant ce compte là je vais le laisser sur la hack vu que je peux pas faire autre chose. Du coup dites moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur ce compte, genre si je farm des pierres et tout, on fait des invoques ou que quoi que ce soit. Donc vous voyez il est SP10, donc il va faire mal. Donc voilà, donc après plus tard si j'ai de la place et tout, je pourrais toujours le faire en normal sur mon téléphone, plein d'autres trucs comme ça plus tard. Pour l'instant je laisse sur la hack sur PC. J'aurai aussi de temps en temps, mais après dites moi si vous voulez que je fasse des vidéos dessus, genre je farm ou des trucs comme ça. Pour l'instant on va revenir sur ce compte, voir si on peut éveiller des persos ou pas. Alors oui, on a tout ça comme perso, donc on a des doublons. Alors on a deux trunks, on a ça. Alors le végétaux, est-ce qu'on peut l'éveiller? Le pauvre, c'est vrai qu'il a pas eu grand chose. Donc j'ai pas trop joué sur ce compte, j'ai même pas du tout joué. J'ai plus farmé comme un porc sur la Jap, je vais pas vous le cacher. Pour vous dire, j'ai terminé toutes les quêtes et tout, donc j'ai bien torché le jeu. Vas-y, c'est tant qu'à faire. Si je peux me débloquer des trucs. Non. Ouais, bon, après c'est la base quoi, c'est pas grand chose. Donc si je peux avoir des trucs comme ça, ça serait cool. Hop, on va s'acheter ça. Donc la vidéo elle va durer peut-être longtemps ou court, j'en sais rien, je verrai bien. Voilà, comme ça on a tout acheté à part les haricots que je n'ai pas besoin. Je pense que c'est bon. On va pas juste faire ça. Alors, s'il te plaît, la connexion. Merci. Donc une pierre, c'est cool. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ferme les pierres du coup? Ou est-ce qu'on fait les événements? J'avoue que je sais pas trop. On peut faire des événements, des zones qui sont compliquées certes, mais il y en a d'autres qu'on peut les faire normalement. Alors, ou sinon on peut fermer les médailles à J pour le végétaux, tout simplement. Donc j'avoue que je dirais peut-être pas non. Et du coup après on fermerait peut-être les pierres. Pourquoi pas. Je vous avoue qu'on va faire ça. On va fermer les pierres, mais on va pas faire les quêtes. On va juste fermer les médailles à J peut-être après. J'hésite. Bon, je sais pas. Allez, on va se faire. C'est lequel qui est bon normalement. Est-ce que c'est celui-là? En hard. Normalement c'est faisable. Hein. C'est spécial. Ouais, voilà, il faut une team spéciale. C'est bien que je me disais. Du coup. On va se faire l'autre si on peut. Si on peut pas, bah on fermera les pierres. Sinon, on va fermer cet événement là si on peut le faire. En plus, on va récolter des pierres, donc c'est nickel. Est-ce qu'on peut hard, s'il te plaît? Ça a l'air. À part le végéta, d'accord. Ben vas-y, on va le faire. Du coup, on va se prendre qui? J'ai bien envie de prendre le petit sanguin Ant. Vas-y, on va prendre ça. Donc on va juste virer Vegeta. De toute façon, j'avoue qu'il est pas. Il sert pas grand chose. Qu'est-ce que je peux mettre? Eh ben on va se mettre celui-là. Vas-y. Alors.
Donc l'équipe il est bien pour l'instant comme ça, on va laisser ça comme ça. Donc je pense qu'on va fermer cet événement là, donc plus les pierres en même temps qu'on va gagner. Et si si ça va, donc peut-être dans le prochain épisode on fermera les médailles de végétaux, tout simplement. Enfin dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo plutôt. Voilà, donc on va faire 4. Donc on va voir en hard si on gère ou pas 4. De toute façon c'est que des capsules donc ça sert pas grand chose pour à part pour XP, des trucs comme ça. Faire 4. Voilà, on va affronter le petit Grand Saiyaman. Le Grand Saiyaman moi. C'est Sangohan, non, je sais plus comment il s'appelle ce truc tout vert. Je m'en souviens plus du tout. Bref. Va faire ça. Même si point elle donne qui plus 2 ou plus 3 si je me sens au tech. Bon allez végétaux on va faire ça. Puis alors, on va faire ça sur la boule bleue. Alors, on va voir si ça va ou pas. Ouais bah oui ça va. Largement. On va pouvoir se servir les pierres. Alors je vous remercie aussi pour les 164 abonnés, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à partager pour faire découvrir ma chaîne à tout le monde si vous voulez, ça fait extrêmement plaisir, donc je suis content aussi d'aider les personnes avec les tutos que je fais, surtout que c'est pas vraiment évident, il y a certainement certains tutos que j'ai fait que j'étais les premiers à les faire. Quand je dis vraiment les premiers, c'est avant que d'autres personnes sortent des vidéos après. Parce que j'ai vu, il y a des personnes qui ont sorti des vidéos après. Que j'ai fait, c'est des tutos là, ou que des grands youtubeurs ont sorti des vidéos juste après. Donc il y a certaines vidéos où est-ce que j'ai pu faire en premier, en tuto. Donc j'ai pu aider pas mal de personnes, donc je suis très content. Après, là, certains trucs, c'est pas évident à trouver. Alors, pas beaucoup d'XP, mais gagne une pierre. Encore une pierre, on pourrait faire une invocation, mais on ne le fera pas tout de suite. On va vraiment fermer les pierres et à la fin, on fera les invocations. Donc, comme par hasard, ça bug. Ça bug, s'il te plaît. Tu peux me laisser cliquer. Ça n'a pas l'air de marcher. On va juste faire un petit retour. J'espère que le nouveau verlet vous plaît. J'ai passé quelques minutes à le faire, c'était pas trop long. Donc ça va. Ah voilà, on peut. Alors, je prends une super végétaux. Clairement. Avec son counter. C'est ça qu'il aurait fallu que je pense, c'est à essayer de les entraîner. Donc après celui-là, j'aurais les entraîner. Donc aller faire XP en level. Donc là, on va affronter un seul junior. Alors. Alors, on va faire 4. Là, est-ce qu'on a 3 s'il te plaît? Non. On va faire 1 plus 2 pour avoir le ki en énergie. Sur qui? Sur Sangoku, d'accord. Allez, s'il te plaît, sur Végéto. Non, sur. Ouais, bon. Vous m'avez compris quoi. C'est pas grave. Hop, et c'est parti. Voilà, on va affronter le seul junior. Alors, tech and puissance, ok. Hop. Alors. Déjà, je peux partir déjà en spé avec le Sangoku, là, si je veux, donc. Ah, c'est dommage. Bah, vas-y, on va partir en spé. Par contre, Végéto, je vais le garder avec lui. Donc si je peux peut-être partir en attaque spé. Ah non, dommage. Pas assez. Les violettes, on va les garder. Donc si je peux faire un truc. Je vais peut-être virer les boules vertes. Voilà. Donc plus qu'à voir. Combien de dégâts je vais faire. D'accord, lui, Goku la hausse. Nickel. Végéto la hausse. Bon, la pente c'est normal, c'est pas non plus une carte aussi balèze. Alors,
On va partir en spé avec le super végétaux. Hop. Le super végétaux, le végétaux peut-être. Non, pas assez de ki. C'est pas grave. Donc. Non. Je vais garder ce végétaux là avec lui. Puis normalement, de toute façon, on va le finir. Donc ça va, c'est pas très important. Donc c'est bon. Bam. Voilà. Bam. KO. Nickel. Donc, ok, level 18, level 24. C'est parfait. Donc là, on va gagner une pierre normalement. Donc, on pourra faire une invoque, mais on va pas la faire tout de suite. On va attendre de farmer au moins, allez, 15 pierres. Ou 10, on verra bien. Hop, ok. Alors, comme j'ai pu dire, on va aller entraîner nos persos. On va faire des multi-invocations et on va les faire monter de niveau. Allez. Bon, je peux toujours essayer de me drop une carte SR. Mais bon, hein, ça c'est rare. Alors, de toute façon, on va avoir de la merde, on peut zapper. Voilà, on va cliquer. Statut, statut, nickel. TR, ça c'est cool. Encore un R, nickel. On a eu deux R, ok. Deux statuts. J'ai pas assez. On va entraîner, tout simplement. Alors, on va faire le super végétaux. Franchement, on va juste faire ça. Prendre. Des épées. Ah oui, c'est vrai, on a encore les sucreries qu'on a vu à Noël, il me semble. Donc, on va utiliser ça. Juste voir combien que ça fait. Plus ça. Ah oui, de toute façon, vu que c'est en machin, on va juste rajouter, allez, ça. Pour le fun. Non, ça marche pas. Oui, je pense que ça, ouais, voilà, c'est bon. Plus 2. Hop, comme ça, le super végétaux il est au max. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on fermera les médailles AJ. Le gars qu'on va maxer. Alors, on va faire le super végétaux. Donc, lui c'est violet. On va faire les 5. On va prendre ça, plus 33. Vas-y. Hop. Donc je sais que j'aurais pas dû utiliser les 5 comme ça, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que je veux juste les faire monter au moins level max. Au moins. Donc hop. Il nous faut juste encore du violet. Sur j'en ai 15. Nickel. Plus 15. Hop. Et on va mettre celui-là. Plus 16. Allez. Normalement ça va être bon. Alors. Combien? 67, ok. Bon. On va aller encore rechercher. Débuter en occasion. Et je pense qu'après celle-là, on retournera fermer vite fait les pierres. Alors. Donc là, c'est un petit peu le moment chiant, hein, clairement. Donc c'est pas grave. Hop, statut. C'est pas statut. Statut, s'il te plaît, non. Ah, statut. Et un R. Ouais, un R. Bon. Entraînement. Bon, on va continuer les super végétaux, du coup. C'est vrai qu'on a aussi le Gotenks là. Hop. Hop. Il faut du violet. Du fer, on va mettre aussi. Et du jaune, allez. Hop. On va mettre ça. Plus 10. Et c'est bon. Normalement. Normalement, ça devrait être bon, il me semble. Même pas. 3 levels près. On va juste. Alors, est-ce que j'ai pas une merde? Si j'ai une merde. Faire ça. Pour le faire passer de 3 levels, tout simplement. Voilà.
Et c'est bon, on a le végétaux max. Puis on va juste utiliser vite fait sur. Bah, vu que je l'utilise, on va le faire sur le Goku, vite fait. Ah, ça va pas. Ça va être rapide, les gens. Hop. Hop, voilà. Plus 56. Hop, allez, s'il te plaît. Vite. Voilà, plus 56. Hop. 80, nickel. Voilà, donc cette partie, les gens, on retourne vite fait. Donc, 10 à 15 minutes, c'est pas grave. Franchement, on prend le temps. S'il te plaît, le réseau, s'il te plaît. On va juste récupérer ça. Donc, 6 pierres. Et voilà, des ennemis. C'est pas mal. Hop, on retourne sur l'événement. Et puis, on va se fermer. Encore la quête, enfin l'événement plutôt, hein. Comme ça on va gagner des pierres et peut-être monter level 29. Alors, on va faire le troisième. Donc là ça va coûter beaucoup plus cher, 12 cette fois-ci en CT. J'avoue j'ai envie de prendre le piccolo. Je sais pas, je le sens bien celui-là. Hop. Alors. Topi, vu que je peux pas. On va tuer 5. À gauche. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller où? Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va faire juste ça. Et après 6. Alors, Raditz. Type tech. Ok. Hop. Donc, faudrait que je fasse partir Goku, mais. Vu que je peux pas, bah on va faire comme ça. Hop. On va faire ça pour le coucou. Le piccolo, bah. Pas grand chose. On va juste faire ça. Sur de dégager les boules. Voilà, comme ça on a que du bleu. Ok, maximum de dégâts. Peut-être en 2 tours ça va être bon, je pense. Il faudrait juste que quelqu'un part en attaque spé. Ah, quoique. Ah, j'ai envie de mettre le piccolo. J'ai fou en piccolo, je sais pas pourquoi. Allez. On va tenter. Plutôt on va faire partir en spé. Enfin pas en spé mais on attaque. Lui pareil. Allez piccolo. Vas-y. Nickel, il la hausse. Même pas en 2 tours de plus, donc juste en 2 tours. Donc nickel. Et ben finalement les quêtes ça va être easy hein, pour les faire en hard. Bon bah ça va aller assez vite. On sait jamais, comme ça si on peut avoir pour une sur ce compte ça serait tellement épique. Mais bon, il faudrait qu'on ait une sale chance parce que pour le drop c'est galère. Voilà, au suivant, Prince des Saiyans. Vu que j'ai pas cette CT, ben, c'est un peu relou relou. Du coup, ce que je propose, j'aurais même utilisé une pierre, tout simplement. Allez, s'il te plaît. Allez. Non, il a pas l'air. S'il te plaît. Bon. Voilà. Donc, on va se remettre pour une pierre. On va juste fermer 2 fois plus et on utilisera les pierres à la fin. Quelle personne qu'on pourrait garder? Enfin, prendre avec nous. Non, pas intéressant. Le Kaioken, bah vas-y, on va prendre le Kaioken. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien de spécial, bah 5. On va faire un pour les utiliser. On a eu 3. Donc, si j'utilise ça, on va utiliser 1. Si on peut récupérer le bonus de ki, ce serait cool. Encore un, s'il te plaît. Ah non, dommage. Ou un. Non, moi, bon, tant pis.
On n'aurait que un bonus de ki, donc tant pis. De toute façon, ça sert à pas grand chose, vu que là on va se le faire ici, je pense, le Vegeta. Faudrait juste du tech, mais bon, on est déjà parti en SP, peut-être. Avec le Goku, donc c'est pas sûr, mais peut-être. Ouais, voilà, on attaque SP. Donc si je pars aussi, on attaque SP avec le Kaioken, ben il est fini, clairement il est fini. Voilà, c'est bon, donc mon premier tour il est os, obligé. S'il résiste, chapeau. Voilà, normalement avec le Kaioken c'est fini. Voilà. Voilà ce que j'avais dit, il est os. Nickel. Donc. Hop. On va encore récupérer la pierre. Donc on récupère la pierre qu'on a juste utilisée. C'est tout. Donc après voilà, je peux faire des petits événements comme ça où je peux fermer les quêtes. Donc dites-moi si vous voulez que je ferme aussi les quêtes, vraiment les quêtes qu'on peut faire avec vous ou pas. Parce que c'est vrai que farmer les quêtes ça peut être chiant. Donc je sais pas. Hop, voilà. Donc là on suit juste l'événement de toute façon. Donc allez, on va faire celui-là. J'ai envie de prendre le Goku End. Enfin, endurance. Kaioken, non. Je vais prendre peut-être le God. Eh ben, on va se prendre le God Agi. Hop. C'est parti. Hop, je suis vérifié sur le côté. Voilà. Alors, on affronte qui? Le roi Vegeta. Ok. Donc on va éviter de se prendre des dégâts. Malheureusement je vais être obligé. Tant pis. Je préfère aller tout là-haut pour ne prendre des dégâts. Comme ça après je vais être tranquille. Hop, on va faire un. Et juste, et je suis obligé. Bah tant pis, de toute façon. Ah, j'ai mal géré. J'ai pas réfléchi, j'aurais dû faire le 2 en premier, puis après encore un deuxième. J'ai mal réfléchi, c'est pas grave. Donc on affronte le roi Vegeta et le prince Vegeta. Si je peux partir peut-être en SP avec, non? Non. Bah vas-y, on va faire comme ça. Ah, pas les steaks. Ah ouais, quand même. On voit vachement le bonus de kill. Bah vas-y, on va faire ça avec le super végétaux. Enfin le végétaux tout court. Je me trompe à chaque fois, le super végétaux ou le végétaux. Voilà le counter-attaque. Ou nickel la hausse. Nickel. Allez, counter-attaque. Bah super végétaux sera fait les deux. Easy. Donc voilà, nickel. Hop. Je pense que là on a déjà bien torché l'événement. Donc le chargement s'il te plaît. Alors. Ok, une pierre en plus. Donc on va juste se former deux pierres en plus pour qu'on ait 10 pierres. Et peut-être se faire une invoque à la fin. Peut-être. Donc on suit celle-là et puis la suivante et puis on invoque. Donc 13 ans c'était, ça commence à être monté. Alors, qui est-ce qu'on va prendre avec nous? Pour éviter de perdre de temps, on va prendre le Sangoku Super Saiyan 3. Alors. Récupérer des ignis, on va faire 5. Faut qu'on arrive au moins à récupérer ce qui là. Nickel, on peut. Sur, ok, Goku comme ça, bon bah tant pis, c'est pas grave. J'aurais espéré que ça aurait tombé sur le super végétaux ou un truc comme ça, mais bon tant pis. Alors, Ent, donc les puissances vont bien taper là. On va faire comme ça, je pense, ouais.
Là, ça va être mieux. Alors. Ton pion va taper là. Et hop, on va faire ça. Donc, je suis pas sûr de os. Ouais. Je pense au prochain tour, la tête moyen. Ils m'ont mis un petit peu cher. Ok, c'est bon. Alors, prochain tour avec le végétaux. Ah, nickel, je vais pouvoir partir en attaque spé. Sur lui, bien sûr, on va pas être con cette fois-ci. On va faire ça, comme ça on va le os. Et sur le suivant, on va le terminer comme ça. Et puis, allez, on va partir comme ça. Donc, counter-attaque. Nickel. Bon, bah, tant pis. Hein. Du coup, j'aurais fait les deux avec super végétaux. Il est trop cheaté. Hop. Déjà 26 minutes. J'espère que ça serait. C'est pas vraiment trop long pour vous. Parce que normalement, je me serais arrêté à 20 minutes. Mais bon, tant pis. Là, c'est vraiment pour dire qu'on ferme jusqu'au moins jusqu'au 10 pierres. On aura bien torché l'événement plus les pierres. Hop, 14. Et après ça, ben, on s'arrêtera là. Alors. Hop, comme ça, si on peut terminer vite fait la ticket bien rapidement, ça serait cool. Donc on va affronter l'ancêtre de Freezer. 5. Peut-être avec Freezer à côté. Ou est-ce que c'est juste l'ancêtre? Je sais plus comment il s'appelle. Hop, 4, nickel. Et hop, 5. S'il te plaît, s'il te plaît. Donc il est tout seul, ok. Bon bah ça va aller vite. Si je tombe sur Super Végétaux dès le début, il y a peut-être moyen. Si j'ai bonne partie. Oh, que oui. On va partir en. Peut-être en spé. Ouais. Ici, je pourrais peut-être pas partir en spé, malheureusement. Si je pars en spé, c'est il est fini. Nickel. Bon, ben c'est bon, il est fini, les gens. Donc, on a terminé la quête. Normalement, on a terminé. On va voir. Voilà. Déjà la moitié. Et plus végétaux derrière, ben je le hausse. Enfin, je le termine plutôt, hein, parce que là, je le hausse pas. Voilà. On a terminé. Donc on fera peut-être la suite une prochaine fois ou plus tard, on verra bien. Tintin. Donc vers 30 minutes la vidéo va se terminer, donc ça va être cool. Peut-être, on verra bien. Si on a assez de temps pour se dépêcher. Tintin. Donc c'est rare hein, que ça se termine à. Les vidéos vont se terminer à 30 minutes, hein. C'est juste que là c'est pour une petite première fois. Vu que je sais que les vidéos trop longues, c'est chiant à force. Donc on va se faire bouane. Mais bon, on va se taper de la merde, hein, comme d'habitude. Bon, alors. On va voir. Super Saiyan, donc on commence déjà bien, mais bon, 0 capsule. Super Saiyan 2. On va voir. Couleur, ok. C'est pas non plus de la merde, donc ça va. Dernière location. Tintatatata. Alors, une capsule. Oh là, arnaque. Oh là, je vais avoir de la merde. Et voilà, j'en étais sûr. Donc, franchement, c'était de la grosse merde. Voilà, on s'est tapé de la merde. Bon, bah tant pis, hein. On aura bien fermé l'événement. Les pierres, donc malheureusement, on a eu de la merde à la fin de la vidéo. On a vocation, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, s'il te plaît, juste récupérer ça, et puis on va se laisser là. Donc, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur Dokkan Battle. J'espère que vous allez pas, on va dire, me juger parce que je suis sur la hack sur le compte Bouvan. Donc comme j'ai dit, j'ai pas vraiment le choix. Donc tant pis.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé, vous abonner pour me suivre pour plus de Dokkan Battle, et commenter pour dire si vous voulez que je fasse des vidéos sur le compte Bouane, éventuellement. Donc voilà. Donc moi je vous dis une prochaine vidéo sur Dokkan Battle. Peace.